Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon de pourcentage numéro 1 et 2 de niveau CE6, page 94, 98. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est reconnaître un pourcentage, effectuer des calculs sur les pourcentages. Alors pourquoi un pourcentage? Si on avait, par exemple, un corps humain contient 70% de l'eau, cela signifie que chaque 100 kg vaut bien égal 70 kg. Alors, le pourcentage indique une proportion par rapport à 100. On a 70%. Ici se présente le taux du pourcentage. On a 100, le dénominateur ici, et le coefficient de proportionnalité. Pour cela, pour calculer le pourcentage d'un nombre différent de 100, on peut multiplier le nombre par rapport au taux du pourcentage et diviser le résultat par 100. Par exemple, on a 25% de 500. Ici, 2, regardez ici, représente le x. Le x, en mathématiques, ça veut dire l'inconnu. Ça veut dire qu'on le cherche. 25 fois 500 divisé par 100. 100, c'est quoi? C'est le coefficient de proportionnalité. Alors, c'est 12 500 sur 100, ça me donne à la fin 125. J'ai pris ici un exercice dans une école de 874 élèves, 50% sont des garçons. Combien y a-t-il de filles? Alors, 50, comme on a fait, le 50 de pourcentage, 50 fois 874, c'est le total des élèves, sur 100, le coefficient de proportionnalité. Ça me donne 437 filles. Autre exemple ici, 250 personnes ont visité Tétouan. 50 parmi eux sont des enfants. Alors, j'ai dit que 50 parmi eux sont des enfants. Calculez le pourcentage. Le pourcentage de ces enfants, je l'ai présenté ici comme un tableau pour m'aider à calculer. Ici, le nombre des enfants, c'est combien? C'est 50. Le nombre de total, ici, c'est 250 personnes. Voilà. Et 700 d'où vient? C'est le 100, c'est le coefficient de proportionnalité qu'on a dit déjà dans le je retiens. Alors, je fais ici la règle 1, 2, 3. Ça veut dire 100 fois 50 divisé par 250. Ici, 50 fois 100 sur 250, ça me donne 20. Et j'ai mis ici l'unité de pourcentage. Pourquoi j'ai mis ici l'unité et ici dans ces exercices? Non. Pourquoi? Parce que ici, 20. Parce que ici, 50, on a multiplié par. Non, on a multiplié 50 fois 100. Par rapport ici, 50 fois 874, on l'a divisé par 100. C'est pour cela ici, on ajoute cette unité. Et ici, non. J'espère que vous avez bien compris. À tout à l'heure.